Bonjour et bienvenue à Gassin. L'office de tourisme aujourd'hui vous propose de découvrir les mûriers. Ce sont donc des arbres emblématiques du village puisque, comme dans beaucoup d'endroits en France, Gassin donc avait l'activité de sériciculture. C'est en fait l'élevage du ver à soie. Pour élever le ver à soie, les villageois donc se rendaient au marché de Cogolin pour acheter des œufs. Et les œufs, il fallait les conserver à une température ambiante pour qu'ils puissent éclore. Et donc on prenait pour habitude de les mettre dans des petits sacs que les femmes se mettaient autour du cou, et à la chaleur de leur corps, les petits œufs pouvaient éclore. Il en sortait des larves vraiment très très petites et on devait alors les nourrir. Et c'est là qu'intervient la feuille de mûrier, qui est donc l'aliment principal des vers à soie. On raconte que ce sont les enfants qui, après l'école, allaient donc chercher les feuilles de mûrier pour nourrir ces fameux vers à soie. Parce qu'en fait, c'était un élément qui permettait aux familles d'avoir une ressource complémentaire. Si bien que les enfants participaient à cette activité et donc ils se rendaient donc chaque soir parce qu'il fallait vraiment beaucoup de feuilles pour nourrir ces larves qui étaient toujours affamées. Alors les larves nourries, assez fortes, à un moment commençaient à se relever. C'est alors qu'on installait des étagères avec de la bruyère et ces larves montaient au sommet de cette bruyère et elles commençaient donc à former un cocon autour d'elles. C'est un fil donc qui sort par leur bouche. Elles s'entourent dans un cocon qui peut mesurer jusqu'à 800 mètres parfois. Après donc, il faut trouver le bon moment pour prélever le cocon, surtout avant que la bête à l'intérieur ne se transforme donc en papillon. On arrachait donc le cocon de la bruyère et on avait plusieurs moyens de tuer cette petite chrysalide, notamment par l'ébullition. Les cocons étaient envoyés au marché de Cogolin où ils étaient vendus au poids. C'était les soyeux de Lyon qui les achetaient pour les donner à faire dérouler le fil de soie au fameux canut de Lyon. À bientôt pour de nouvelles découvertes à Gassin.